Bonjour les frères et sœurs, bienvenue sur Soubonne. Nous nous retrouvons pour la suite du témoignage précédent. Cette affaire va nous permettre de découvrir certaines choses. Une personne va nous parler de son frère possédé. C'est un truc hors du commun. C'est quoi cette histoire? Écoutons. Nouvelle histoire, je vais vous raconter l'histoire de mon frère. Donc on va dire un peu, c'est les gens qui ne croient pas trop en la sorcellerie et en voulant trop essayer les choses, des pâtisses, découvrir des choses qu'il ne fallait pas. Donc l'histoire a commencé déjà qu'on n'a pas tous grandi ensemble. Quand ma mère l'a eu, dès qu'il avait un peu 12 ans, elle lui a envoyé rester avec ma grand-mère et tout. Et ma grand-mère était une personne qui soignait les gens avec des choses indigènes, là, des trucs traditionnels et tout là. Donc, elle gardait toujours, tu vois, ils ont leurs trucs, leurs potions, les trucs qu'ils font, ils donnent aux gens pour, tu vois, se traiter. Donc, mon frère était quelqu'un de curieux. Donc, ma grand-mère est partie, un jour, elle est sortie, partie faire ses courses. Lui, derrière, il est parti, comme il y a un bois chez nous, là, au Gabon, qu'on appelle le bois amer. Donc, c'est un bois que seuls les gens qui sont initiés doivent manger, en fait. Donc, lui, il est parti, il a mangé ça, comme ça, sans directif. Donc, il a mangé, il a commencé à dire que ouais, il est venu nous dire que non, vous êtes toujours là, vous dites que oh, si on mange ceci, il y aurait ceci, il y aurait cela. Donc, tout allait bien pour le moment, tu vois un peu. Mais c'est quelqu'un, à la base, c'était un danseur, tu vois. Il faisait les groupes de danse avec ses amis et tout. Donc, peut-être 6 mois après, il a maintenant commencé à voir un peu des choses bizarres, tu vois. Le genre que tu marches avec lui va te dire, mais tu vois pas que le temps, regarde un peu le monsieur qui marche là, il est un peu bizarre. À un moment, je le regarde, il a une tête animale, à un moment, tu vois, sa tête est normale. Elle dit, ah, mon frère, laisse-nous tes histoires là, peut-être tu es dans tes. Tu as peut-être fumé ou tu as peut-être bu quelque chose ou tu es dans tes trucs. Donc, on négligeait ça. Donc, au fur et à mesure, les choses ne faisaient qu'empirer. Après, ça s'est calmé un peu, peut-être après 6 mois, ça s'est calmé. Et voilà que. On est tous remontés sur la capitale parce que ma mère voulait qu'on reste finalement ensemble. Et c'est là où vraiment les problèmes ont commencé. Donc lui et moi on partageait le même lit, tu vois un peu. Donc un soir on dort et tout. Je vois le gars, il se lève, tu vois un peu. Et il se met à me pisser dessus. Et il me pisse dessus, je sens qu'il me dit, mais mon frère, qu'est-ce que tu es en train de faire? Qu'est-ce que tu as fait? Puis j'ai mal à crier, tu vois. Il m'a crié que, oh maman, maman, viens voir, on va voir ce qui se passe. C'est juste en train de me pisser dessus. Le gars il se rallonge, DMG. Et moi, je suis là, dès que ma mère ouvre la porte, tu as vu, c'est rallongé rapidement. Et je me regarde, j'étais mouillé. Mais après, je regarde, je suis tout sec, comme si rien ne s'est passé. J'étais d'abord car. Elle me dit, non, toi, tu racontes quoi? On était à mes pieds. Après, on le réveille. Le gars fait comme s'il dormait, tu vois un peu. Mais après, il se réveille, il se met à sourire. Tu vois le genre de sourire un peu mesquin là, que les gens font. Comme s'il peut te dire que. Il sait ce que tu as vu, vous savez ce que vous deux vous avez vu, mais tu vois, tu ne peux rien prouver et tout. Donc, ça continuait comme ça. Et maintenant, c'était quelqu'un déjà que il avait un truc, c'est que s'il te dit qu'il doit avoir 200 000 aujourd'hui, il va avoir 200 000. Il ne travaillait pas, il ne faisait rien. Mais c'est le genre que des gens vont venir lui donner l'argent, tu vois, un peu des amis, des gens comme ça, des trucs comme ça. Donc, moi, je disais que bon, peut-être c'est un truc, que c'est quelqu'un que les gens aiment beaucoup, tu vois, c'est bien et c'est tout et tout et tout. Et c'est quelqu'un, il communiquait au téléphone 24 hours. Tu as le téléphone de quelqu'un que 24 sur 24, ça sonne. 24 heures, c'était même pas de nos jours où on va dire que, ouais, il y a ces promotions, tout. Non, c'était à l'époque où tu devais mettre au crédit pour parler à quelqu'un et tout et tout. Mais lui, son téléphone, il avait toujours le crédit, il parlait toujours avec les gens au téléphone. Donc voilà, un matin, il est en train de parler au téléphone, bon, il dormait et tout. Bon, je sais pas s'il dormait, mais il est en train de parler au téléphone après tout d'un coup. Ses amis parlaient sur le téléphone. J'ai trouvé un peu ça bizarre. Il dit que ah, son ami ne faisait qu'écrire son nom. Bon, je ne veux pas dire son nom. On va l'appeler Robert. Tu vois. Il dit Robert, 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 Robert. J'ai dit, après, il dit, mais Robert, Robert, on est en train de taper le téléphone. Pourquoi tu ne réponds pas? Le gars, il ne bouge pas. Donc, il a les mains un peu vraiment fermées, serrées, tu vois. Donc, il a pris la couverture. Tu as vu un peu, genre, quand tu as peur, tu veux te couvrir. Comment tu tiens la couverture? Donc, il était comme ça en position, là. Il ne bougeait pas. Il était compliqué. Après, son ami me dit que, est-ce qu'il est comme ci, comme ça, comme ça? Oh oui. Il me dit, oh, ces trucs ont encore commencé. J'ai dit, c'est quel truc que tu me parles, mon frère? Ok, ne panique pas. Cherche de l'eau et tu viens, tu lui verses. Mais quand tu vas lui verser de l'eau là, mec, sois-en sûr que
tu restes à une longue distance parce que quelque chose va se passer. J'ai dit que, ah, qu'est-ce que ça veut dire? Moi, j'ai dit, bon, moi, je ne suis pas dans ce genre de choses. Je vais appeler la mater. J'ai dit à la mater que, bon, regarde-moi, ton fils est là-bas. Je ne sais pas ce qui se passe avec lui. Il ne bouge pas, il ne réagit pas, il est tout comme ça et tout ça, mais il respire. Oh non, c'est peut-être ses grimaces qu'il fait. Elle me dit, va réveiller ton frère. Il dit que non, et papa, il va réveiller ton frère. Donc, et le genre, j'ai oublié de dire que le lit où on dormait, c'était un lit en étage. Donc, il était carrément au-dessus. Donc, j'ai dit, ah, je vais quand même essayer ce qu'on m'a dit de partir verser de l'eau et tout. Donc, je prends une bouteille d'eau pleine et tout. Je viens comme ça, je le verse sur tout le corps. DMG, la façon que le gars s'est levé, tu as vu le genre que, mais il a les yeux fermés, tu vois un peu. Il se lève, mais il avait le genre qui voulait bagarrer, il respirait comme si, tu vois, quand quelqu'un est en train de bagarrer là, tu vois un peu le truc. Il est en train de faire les gens comme quelqu'un en colère, quoi. Mais les yeux sont fermés, les poings sont pliés. Dès que je viens comme ça, je dis juste le petit bon, tu fais semblant. Le gars, il me met un coup de pied depuis l'étage là où il était en haut du lit. Il me met un coup de pied, donc je tombe du lit. Au moment où j'ai tombé comme ça, DMJ, il a sauté du lit là-bas, il est tombé comme dans les films d'action que tu vois. Le gars t'a soulevé, tu as vu le sommet du lit, c'était pas le grand mais les petits lits en étage là. Si je t'ai dit qu'il t'a soulevé ça comme ça, il t'a plié sans deux. DMJ, comme tu comprends là qu'il a plié le lit en deux. Le sommet là, Le sommet, il a plié sans deux. Dès que j'ai vu ça, j'ai commencé à courir, je suis sorti. Voilà, maintenant j'ai appelé tout le monde. Maintenant, ma mère aussi est venue voir. Je t'ai dit que le temps que je suis sorti, le gars, il a tout cassé dans la chambre. Donc, on a maintenant appelé les tontons, mon beau-père, tout le monde est venu. Je te jure que comme tu vois dans les films, que quelqu'un vient, il te balance avec une main. Une personne qui était qu'un gabarit comme ça, que mon frère était un mince, c'est ce qu'il dit. Mais quand une personne qui est carrément vraiment costaud, vient comme ça, il balance la personne avec une main. Il a failli 6 personnes pour l'attraper. Un a pris un pied, l'autre a pris le pied, l'autre a pris l'attrape au niveau du torse. Où t'as pris la tête et ainsi de suite. Donc on l'a pris, on est parti le tremper dans une grosse cuvette d'eau. Donc il s'est débattu, après il s'est calmé. Donc dès qu'il s'est réveillé, il nous a expliqué maintenant un peu toute l'histoire, comme je t'ai dit, que ce qu'il a fait et tout, qu'il a mangé le bois et tout ça, et que depuis qu'il avait mangé ça, les choses avaient commencé à se manifester, il voyait des trucs et tout. Que quand il a ce genre de trucs, il voit des choses qui vont se passer. Et il a commencé à nous expliquer que, oh, ceci, cela, vous avez remarqué que depuis que vous êtes dans la maison, là, il a commencé à nous expliquer les problèmes qu'on avait, tu vois. Il ne vivait pas avec nous, mais il nous expliquait tous les problèmes qui se passaient dans la maison. Il nous disait que non, il y a des entités qui ne sont pas bien, qui sont dans cette maison, que la maison, le terrain où on a construit la maison, c'était un terrain où il y avait un arbre où les sorciers venaient faire leur tontine mystique, tu vois, non? Et que ça les dérangeait que nous, on vient de rester là où ils faisaient leur mangement. Moi, j'ai d'abord dit que non, ce sont encore les trucs des films, que c'est seulement les trucs des... C'est du n'importe quoi. Non, tu doutes encore, un gars qui... Tu dis qu'il a tapé les gens seuls, tu doutes encore. Mais je me suis dit quand même que c'est peut-être une crise épileptique, tu vois, un peu, dont j'ai banalisé. Une crise épileptique dans la force comme ça. C'est que l'épileptique, ça va, c'est bien. Non, tu connais quand même. J'ai quand même banalisé. Je crois encore une semaine après, ils ont encore eu la même chose encore démarré. Et le gars, il avait des cheveux un peu comme toi. C'est quelqu'un d'IMG. Je crois que pour avoir cette coupe que tu as, ça te prend au moins peut-être un an, voire deux ans. Mais lui, c'est en 6 à 7 mois, ses cheveux, il avait des cheveux comme des femmes. Que ça pousse rapidement. Et il n'aimait jamais couper les cheveux. Donc c'est comme ça que ma mère a décidé de prendre les devants. On est parti, on a amené d'abord des pasteurs venir à la maison. Le gars, il s'est moqué des pasteurs. Il dit que tout ce que vous faites là, il n'y a rien. Que vous allez monter, vous allez descendre, il n'y a rien. Le gars est venu, on a prié sur lui, c'est Marie, il dit au prêtre que dès que tu as fini, tu me dis, je vais m'asseoir. Donc maintenant, ma mère est partie en marchant dans ses recherches. Elle a trouvé, c'est même à présent, c'est là où j'ai su qu'il y avait des prêtres, il y a des prêtres et des prêtres exorcistes, c'est pas la même chose. Donc on a cherché un prêtre exorciste, et aussitôt qu'on l'a amené, le prêtre exorciste l'a regardé, l'a assez mis à rire, il dit, mon petit, ce que tu es en train de faire là, moi-même je te vois. Il a dit à ma mère qu'on les laisse les deux dans le bureau. Ces trucs ont encore déclenché. Il s'est bagarré avec le prêtre dans la salle. Donc il y a d'autres, des assistants, des prêtres là, qui sont venus pour intervenir. Et puis, il a réussi à calmer la chose. Donc on a donné un programme de délivrance et tout pour qu'il doit faire les trucs. Donc voilà que on part maintenant à la séance des délivrances. Et je suis parti avec moi, mon jeune oncle,
on est parti. Donc mon jeune oncle aussi, c'est quelqu'un qui aime draguer les femmes. Donc on est parti à la messe, il y avait des belles femmes comme d'habitude, tu vois un peu. Donc le gars, il a commencé à draguer les filles à l'église et tout, et tout, et tout, et tout. Il a pris les numéros. Et après, à la fin de la messe normale, le prêtre a dit que ceux qui sont venus pour la messe peuvent partir. Ceux qui sont venus pour accompagner les gens, vous restez dans la salle. Et ceux qui sont venus pour les délivrances, allez-y vous changer, DMG. Toutes les filles qui étaient belles dans cette église étaient venues pour délivrance. Toutes les filles que tu voyais canon, comme quoi chacune avait ses problèmes. Mon oncle a pris les numéros, c'est directement bien effacé. Il a dit que pardon, je ne veux pas des malédictions dans ma vie. Donc il a directement effacé. Donc c'est arrivé autour de mon frère. Le gars, il est parti. Première fois, il tombe. Parce qu'ils ont dit que tant que tu tombes, on prie sur toi, tu dois toujours revenir. Tu dois aller prier devant. Ils avaient une grosse, une grosse statue de Jésus et tout. Donc tu dois aller prier pour te confesser et tout. Après, tu dois revenir. On l'a peut-être fait comme ça au moins près de 7 fois. Le gars est tombé. Et après, la 8e fois, il n'est pas tombé. Maintenant, on rentre à la maison d'MJ. Le gars, il s'est mis à rire, il s'est mis à parler dans la voiture. Pour dire, le prêtre là pense qu'il est trop malade. Des esprits qu'il a envie de faire sortir, ils touchaient le mauvais côté. Mais moi, je les ai envoyés dans mes cheveux. DMG, on s'est regardé comme ça tous dans la voiture. Dès qu'on est arrivé à la maison, j'ai fait le compte à ma mère. Ma mère, dès qu'elle est partie dormir, elle a coupé. Elle a pris les ciseaux. Elle a coupé tous ses cheveux pendant que le gars était en train de dormir. Et après, il est reparti dans la séance de prière et tout. Et puis, les choses se sont améliorées, tu vois. Il s'est détaché des trucs. Merci Seigneur et tout et tout. Donc à présent tout va bien pour lui quoi. Donc c'était ma petite histoire quoi. Pour ceux qui ont des histoires. Faut d'abord te dire ça. Alors là, c'est une affaire compliquée. Très 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 compliquée. On vous écoute encore une témoignage. Il y avait des moments où on avait déménagé dans une autre ville en fait. Arrivé là-bas, on connaissait personne. Mais c'était un quartier très très calme, le quartier où on était. Et il y avait une famille très gentille, qui sont venus se présenter à nous. Après, ils nous ont dit que si on a besoin de quoi que ce soit, on peut venir vers eux, qu'ils vont nous aider à mieux nous installer, etc. Tout du genre. Et vu que on venait par exemple, on connaissait personne, ma mère me disait d'aller me tresser là-bas. Donc, je peux dire, de temps en temps, je partais me tresser et quand ma mère me tressait aussi, la vieille demandait à une de ses petites filles de venir la tresser chez nous. Et quand ils organisaient des fêtes ou bien il y avait des cérémonies là-bas, moi, je partais pour représenter ma mère parce qu'elle est un peu casanière, elle n'aime pas sortir. Donc, c'est moi qui partais. Mais quand je pars là-bas, je remarque que les gens ne mangent pas, en fait. À l'heure du repas, je vois qu'il y a beaucoup de gens qui sont là. Surtout les gens qui habitent dans le même quartier que nous, nos voisins et tout. Mais quand il s'agit de manger, tout le monde commence à rentrer petit à petit. Genre, je pars chez moi, je reviens. Il n'y avait que moi qui mangeais. Moi, je mangeais. Je mangeais donc voilà quoi. Je mangeais carrément en fait. Et il n'y avait que moi et leur famille. Et voilà. Il n'y avait que les familles proches en fait qui mangeaient et moi. Mais les gens qui vivaient dans le quartier, ils ne mangeaient pas. Donc ça m'a semblé un peu bizarre, mais bon, vu que j'étais plus jeune, je ne me doutais pas de quelque chose en fait. Mais un jour, ma mère était partie pour accompagner une de ses collègues, parce qu'on était là-bas parce qu'elle devait travailler et tout. Une de ses collègues l'avait demandé de l'accompagner chez un marabout parce que elle avait des problèmes avec son mari. Après, ma mère est partie. Après, ma mère est partie. Mais quand elle est partie, elle a dit qu'avant de partir, le vieux lui a dit que il faut faire attention parce que tu vis dans un quartier où il y a des gens qui sont pas nets. Tu vois, ta fille a l'habitude de les fréquenter de même que toi. Mais fais attention. Et il y aura aussi une fête qu'ils vont organiser. Ils vont amener de la nourriture chez toi, mais ne mange pas et ne fais pas manger à tes enfants. Ma mère, quand elle est venue, vu qu'elle ne croyait pas, elle n'a pas raconté ça, en fait. Elle n'a pas raconté ça. Après, quelques jours après, sa collègue l'a demandé de l'accompagner pour je ne sais pas quoi faire quoi. Elles sont reparties là-bas. Après, le vieux lui a demandé est-ce que la fête a été organisée et tout. Ma mère lui a dit non. Donc, pour le coup, elle s'est dit carrément que le vieux, c'est un cochard, en fait. Il raconte des choses qui ne sont pas vraies.
Donc, quand elle est rentrée, mais quand elle est partie, genre, quand elle est partie à pour accompagner son amie, les gens qui habitent dans cette maison sont venus nous amener un plat, en fait. Un plat de couscous avec la viande. Moi, j'attends. C'est la viande, en fait. Dès qu'ils sont venus, je réceptionnais le plat. Normalement, je devais attendre que ma mère revienne pour que je lui dise qu'on nous a amené quelque chose, etc. Mais j'avais faim. Donc, automatiquement, j'ai commencé à manger. Mais j'ai pas mangé beaucoup. J'ai mangé la viande, un petit couscous. Après, j'ai arrangé le plat. Après, j'ai rien dit. Ma mère, quand elle est venue, elle dit à mon père que vraiment, les marabouts sont des charlatans. Je viens de voir un marabout qui m'avait dit qu'on allait nous inviter pour une fête, on allait nous amener de la bouffe et tout. Mais depuis lors, il ne s'est rien passé. Après, moi, j'étais là. Je dis, ah, je lui dis, mais bon, pourtant, on t'a amené un plat aujourd'hui. Elle m'a dit, qui a amené le plat? Je lui ai répété que c'est la famille voisine, en fait. Elle m'a dit, où est le plat? Je lui ai dit, dans la cuisine. Elle m'a dit, purée. Donc, le marabout avait raison. J'étais, avait raison à propos d'eux. Elle me dit, et là, avec le marabout lui avait raconté voilà, la scène, en fait. Je lui dis, ah bon. Après, elle me dit que voilà, parce que le marabout affirme que cette famille, voilà, elles sont pas nettes, ce sont des sorciers, etc. Tu vois. Moi, je me suis dit dans ma tête, purée, sur quoi? Je lui ai dit, attends, mais c'est toi qui lui as parlé de la famille ou bien tout d'un coup, il a abordé le sujet. Elle m'a dit non, je lui ai rien dit, c'est la deuxième fois qu'il me répète ça. Aujourd'hui, quand il m'a dit ça, je me suis dit dans ma tête, tu es un charlatan, parce qu'il ne s'est rien passé. Après, je lui ai dit, mais si quelqu'un mange dans le plat, il va se passer quoi? Elle me demande, genre, tu as mangé dans le plat? J'ai dit non. Elle m'a dit, on va jeter ça. J'ai dit, ok, mais j'ai rien dit. J'ai commencé à transpirer. J'avais vraiment, vraiment très, très peur. Et vu que je n'avais pas le droit de faire ça, je ne pouvais pas parler avec ma mère directement, en fait. Donc, je suis partie me coucher. Mais pour moi, c'était fini, que c'était vraiment mort. Quand je suis partie me coucher, je n'arrivais pas à dormir. Et quand je me suis enfin endormie, après avoir fait des prières et tout, dans un rêve, peut-être genre c'est psychologique, mais j'ai rêvé que cette famille, elles sont venues me récupérer chez moi, en fait. Et qu'ils m'ont amené chez eux, etc. Après, ils m'ont dit que je ne vais plus rentrer et qu'aujourd'hui, je vais leur servir de dîner. Peut-être c'est psychologique, mais bon, dans le rêve, j'ai paniqué. Et quand je me suis réveillée vers 5h du matin, à l'heure de la prière, je me suis automatiquement dirigée vers la chambre de mes parents. Mais quand je devais passer par le salon pour accéder à leur chambre. Mais dès que j'ai ouvert la porte du salon, j'ai vu mon père en train de prier. Donc, quand il a fini, il m'a regardé, il a rigolé. Je lui ai dit, qu'est-ce qu'il y a? Il m'a demandé pourquoi je t'ai levé. Je lui ai dit rien. Il m'a dit, il ne faut pas mentir. Il m'a dit, j'ai fait un cauchemar. Après, il m'a dit, la prochaine fois qu'on nous amène de la nourriture, aussi, n'y touche pas. Parce que si tu refais le même rêve, sache que je ne pourrai plus rien faire pour toi. Et je n'y avais rien dit, rien. J'ai rien dit parce que voilà, je n'avais pas le droit de faire ça. Donc voilà, j'ai préféré me taire. Après, il m'a dit de rien raconter à ma mère, mais de faire attention à cette famille. Et c'est par la suite que nos voisins nous ont dit qu'effectivement, voilà, ils ne sont pas très, très nets. Donc on a commencé à se méfier. C'était ça, en fait. D'accord. Vous avez entendu ça? C'est vraiment grave. Très très grave ce qui se passe dans ce monde. Nous allons écouter d'autres témoignages tout à l'heure dans la partie, dans l'autre bout de cas sur cette vidéo. Soyez prêts, ça va partir sur le brand ici, une chaîne YouTube, dans quelques minutes.